Prélude du troisième tome de Jacques Boivin, je vais parodier le Bayeux, sur les Encliquots de Souvigny. Alors ça, c'est une pièce tout à fait dans le style italien, Odile. Alors, c'est bien pour présenter un angle français, on dit, bon, la musique française, c'est Lully, enfin, vous savez, bon, on raconte toujours ça. Enfin, il y a autre chose aussi dans la musique française d'orgue, du XVIIe siècle. En tout cas, il y a Boivin, c'est pour ça que j'ai choisi. Pas seulement par goût du paradoxe, ça aboutit à un paradoxe apparent, mais pour la beauté de cette musique. Effectivement, les italianismes, plus particulièrement le chromatisme permanent de cette musique. Et puis le goût pour les mélodies, le chant, les formes rythmiques non irrégulières et plein d'autres choses. Oui. Alors, on penser à Lully à propos de la musique française, mais alors paradoxalement on peut encore repenser à Lully, parce que moi je pense immédiatement à la plainte italienne de Psyché, parce que parfois Lully cela s'allait complètement à être vraiment italien, et c'est un petit peu le cas, on va s'en apercevoir dans la deuxième pièce par exemple que vous avez inscrite à ce programme. Oui. Je crois qu'il y a un concert de flûte. Oui, effectivement, mais je dois dire que je connais mal Lully, je connais beaucoup mieux Charpentier, qui fait partie de mes grandes amours. Et le rapport Boivin-Charpentier, pour moi, est vraiment évident. Ce sont deux frères en musique. Et tous deux parisiens, même génération d'ailleurs. Oui, exactement. Et puis, je pense aux leçons de ténèbres de Charpentier, aux vêpres, à toutes ces musiques magnifique, chantante, italienne, française, après tout, qu'est-ce que ça veut dire? Si, ça veut dire quand même beaucoup. Ça veut dire pour moi que, par exemple, quand on analyse les pièces de musique française, par exemple, de Couperin, je dirais musique française, hein, les pièces d'orgue et tout ça, on peut faire des rapprochements évidents avec, avec certaines formes utilisées dans le ballet, par exemple, français, toutes ces choses-là. Parce que là, tout ce chromatisme semble quand même une ambiance très, très ultramontaine. Hein. Bien que Boivin était organiste à Rouen, je ne sais pas s'il est jamais allé en Italie, on est assez peu renseigné sur sa vie. Oui, on sait peu de choses, oui. Mais c'est beaucoup plus vocal, et en ce sens donc italianisant, que danser, que d'inspiration venant de la danse, ça c'est, oui. C'est évident. Alors on entend maintenant donc toujours de ce Jacques Boivin un concert pour les flûtes. Alors à Souvigny, bien sûr, les flûtes sont sublimes et je crois que on va tout de suite après ce concert de flûte ou fond d'orgue essayer de présenter un peu cet instrument de Souvigny, Odile. Thank you.
Maurice Delorme, vous êtes organiste de Souvigny depuis des années, donc vous avez la charge, je veux dire. Est-ce que vous avez été nommé conservateur de cet instrument? Il était question à un moment donné de nommer certains organistes, en tout cas conservateurs de leur instrument. Ça n'existe pas officiellement, mais je crois que tout le monde ici m'a confié cette charge. Je l'accorde assez régulièrement. Il est vrai qu'il n'est pas parfaitement juste, on peut s'en rendre compte, mais le moment n'est peut-être pas très bien choisi. Nous vivons au rythme des saisons. À Souvigny, nous sommes à la campagne et le changement de saison se traduit par des différences de température entre le positif et le grand orgue. Donc il y a dans les pleins jeux des frisements, des ondulations qui, après tout, ajoutent un peu de sel à cet orgue. C'est un des derniers qu'on entendra non restauré. Il a été construit par François-Henri Glicot. En quelle année exactement, Henri Delorme ? Il y a deux étiquettes à l'intérieur des sommiers, l'une de 1782 et l'autre de 83. Bon, alors cet instrument a trois plans sonores, Odile. Il y a deux grands plans sonores, positif de Do. Un positif de Do, un grand orgue, un récit et quelques jeux de pédales. Bon, alors il y a 27 jeux dans cet instrument et c'est d'une efficacité incroyable au point de vue acoustique. C'est ce qu'on entend d'en bas, ici, et bien sûr, nous avons un autre rapport au son, mais j'ai entendu plusieurs fois cet orgue d'en bas, joué par des collègues, et c'est pas par hasard que j'ai eu envie de venir jouer ici une fois. J'imagine. Ouais. Ouais, c'est vrai qu'avec si peu de jeux, c'est superbe. Alors, qu'est-ce que vous allez jouer là maintenant ? Boivin, j'aime le jouer. Boivin, Grigny. Voilà, alors si vous voulez bien, je peux jouer quelque chose encore ? Merci. Et quoi de Boivin ? Un récit de Nazaire, par exemple, si tendre. Ça, c'est un récit extrêmement chantant, donc toujours de Boivin. Ça faisait penser quand même irrésistiblement ou à un air de cour ou à quelque chose qui se passe quand même sur une scène. C'était très déclamé. En effet, c'est joli, comme vous dites, Boivin, mais c'est aussi, je ne sais pas, ça touche énormément cette musique. Il y a toujours un aspect dramatique ou nostalgique, je ne sais pas. Et ce que j'aime beaucoup, c'est cette alternance de tempi différents. On est presque en plein drame, et puis tout d'un coup, plop, c'est indiqué, je n'invente rien, j'ai rien pris sous mon bonnet, légèrement, brusquement. Et puis on revient à lentement, et on sent lentement et grave. Une sorte de regret, presque,
qui arrive très 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 vite. Alors sur cet instrument de Souvigny, bien sûr, il y a des jeux d'anches éclatants. On va parvenir finalement sur ces compositions d'orgue françaises. On a donc le grand jeu avec les trompettes, les possibilités de registration avec le cornet Henri Delorme. Puis il y a également tous ces jeux, on appelle des jeux de détail. Enfin, ça m'amuse beaucoup quand on dit jeux de détail, alors que ce sont les jeux qui font le charme justement des orgues, parce qu'on confond toujours ces orgues françaises avec, je dirais, bruit parfois. Il y a des trompettes, il y a des cornets, mais il y a aussi ces jeux de tierces, ces jeux de nasards. Et ici, par exemple, il y a des jeux de tierces absolument étonnants. Oui, il se trouve d'autant plus, je dirais presque joufflu, en tout cas très flûté, du fait de la mise au ton par Guadadin en 1887. C'est le seul. Ça grossit un petit peu le son. Ça grossit un peu tout. Ça grossit également un peu les pleins jeux. C'est de ce point de vue qu'il a peut-être le plus souffert, mais c'est tout à fait réversible. Mmh. Puis alors, vous avez aussi des pots acoustiques dans cette église. Ah oui, ça a été étudié par des spécialistes en 83 pour le colloque lors du bicentenaire. On s'est aperçu que c'est une pratique qui est répandue dans toute la France et même dans toute l'Europe. Et c'était la première fois qu'on étudiait un peu scientifiquement ceux de Souvigny. Ils se trouvent dans la travée qui contenait les stalles des moines. Donc ils devaient essentiellement favoriser certaines fréquences ou filtrer d'autres néfastes pour le chant. Mais je pense que l'orgue en a bénéficié également. Puis alors, on a heureusement conservé les enduits ici, parce qu'on aurait pu aussi aller vers une catastrophe. Il faut dire aussi que dans beaucoup d'églises, on a changé complètement l'acoustique et que les orgues ne sonnent plus. Mais oui, mais ce qui a sauvé, ce qui fait le charme aussi de Souvigny, c'est que, comme diraient les brocanteurs, l'église est dans son jus, comme on dit qu'un vieux meuble est dans son jus. C'est-à-dire que y a des moisissures, il y a des lichens sur les piliers, il y a des vieux enduits un peu poussiéreux, mais c'est bien préférable pour l'acoustique. Si cette orgue est si célèbre, c'est aussi grâce à l'acoustique. Et puis, il faut ajouter aussi que c'est parce que la paroisse et la commune n'avaient pas d'argent qu'on n'a pas fait de transformation irréversible, et pour l'orgue, et pour le monument. Alors, puisque vous êtes au conseil municipal, vous allez continuer à leur dire, finalement. Ne mettez pas moi. D'argent. Comptez sur moi. Bon, alors, Odile, on reste toujours encore dans Boisvin. Alors, cette fois, on va entendre les jeux de tierces, qui sont parmi les gloires sonores de cet instrument de Souvigny, qu'on ne sait pas, en François-Henri Cliquot, la fin du XVIIIe siècle. Problème sur le cornet à la fin, c'était l'orgue de Souvigny, donc sous les doigts d'Odile Bayeux, avec Henri Lelorme qui en est le conservateur et en même temps l'organiste. On a entendu des pièces de Boivin, un maître français que pour ma part j'aime beaucoup, un maître français donc, qui doit autant à l'Italie qu'à la France dans son style, puisqu'on a entendu à la fin, en effet, ce sont des une sorte de grand récit qu'on pourrait retrouver dans les airs de cour, en effet, qu'on pourrait retrouver dans les opéras.
Et on sait que Boivin a un style qui est très proche, d'après moi, très proche de celui de Marc-Antoine Charpentier. C'est-à-dire l'un et l'autre font une sorte de synthèse entre le goût français et le goût italien. Tout ça sur un orgue français de la fin du XVIIIe siècle, ce n'est pas tout à fait incompatible. Michel Castelango, vous êtes directrice du laboratoire d'acoustique de Paris 6. Depuis des années, on vous connaît pour les recherches que vous effectuez, non seulement sur l'orgue, mais aussi sur toutes sortes d'instruments. J'ai chez moi une pile de documents passionnants qui ont été publiés il y a déjà des années de ça. Vous avez été la collaboratrice du professeur Lepp. Et à ce titre-là, donc, vous avez une oreille beaucoup plus objective que la mienne, qui est plutôt une oreille subjective. Moi, je m'intéresse aux orgues parce que chaque orgue est un individu. Il y a une sorte de subjectivité, finalement, qu'on transporte. Parce que quand on rentre dans une acoustique, quand on rentre dans une église, l'intérêt du lieu, bien sûr, vous transporte. La beauté des buffets, je n'arrête pas bien de les décrire. Il y a un rapport, si vous voulez, du corps aussi, du jeu. Mais comme vous êtes en même temps organiste, quand même. Alors, je voudrais savoir comment vous faites en tant que scientifique et en tant qu'organiste, comment vous faites de la part des choses quand vous écoutez un orgue ? Comment je fais ? Ça, c'est peut-être difficile d'y répondre, mais je pense que ce sont peut-être de bonnes conditions, en tout cas dans notre équipe en acoustique musicale. Nous sommes tous à la fois scientifiques et musiciens. C'est certain qu'on a des moyens d'analyse objective de tous les sons qui sont à notre disposition, mais si on n'a pas en même temps un avis, une écoute, je crois qu'on ne peut pas faire grand-chose des analyses et des moyens scientifiques et objectifs. C'est vraiment l'aller-retour entre l'oreille et les documents qui peut nous permettre d'avancer et de comprendre ce qui se passe. Alors c'est un petit peu ce qui se passe dans l'oreille du facteur d'orgue, je crois. Parce que s'il se contente d'être un artisan, de fabriquer très bien des tuyaux, fabriquer très bien un sommier, très bien une mécanique, et sans comprendre finalement ce à quoi ça correspond, évidemment, parce que tout ça, ça correspond à une musique, hein. Il va magnifier la musique avec son instrument, mais c'est pas premier, finalement. Aucune musique ne peut rendre beau un orgue, c'est ça ce que je veux dire, dans une certaine mesure. Hein. Si une musique est nulle, elle peut devenir extraordinaire grâce à la sonorité d'un orgue, mais pas inversement. Oui, c'est certain qu'un facteur, je suppose comme un très grand luthier de violon, est aussi un musicien qui doit pouvoir essayer son instrument et donc faire l'aller-retour entre le point de vue d'artiste, le point de vue d'artisan et même le point de vue de technicien. Il doit mélanger tout cela dans une synthèse harmonieuse et les très grands, je suppose, sont aussi des musiciens. Alors ce retour, finalement, ce retour de l'oreille, aussi les chanteurs l'ont, hein. Ils ont ce qu'on appelle l'oreille interne, je ne sais pas si c'est... Vous avez étudié cette question également Particulièrement. L'écoute, par exemple, un chanteur, quand il... Oui. Gérard Lenne, par exemple, oui. On va entendre dans quelques minutes, avec le Concert des Nations, Jordi Savall, par exemple, dans le Salve Regina, qu'on va entendre maintenant de Marc-Antoine Charpentier, on m'en parle souvent, il y a quelque chose qui se passe... Il faut bien qu'à un moment donné, ils règlent leur voix. Oui, non, mais vous touchez là un problème beaucoup plus compliqué parce que un chanteur est son propre instrument, il est dans son instrument, il essaye d'être au dehors et c'est difficile pour lui d'entendre réellement le son qu'il émet. Et il en a une audition personnelle très particulière. Cependant, il faut un réglage très précis. Ah, certainement, oui. Mais après, peut-être des années et des années d'expérience. C'est vrai qu'un organiste aussi, là où il est, n'a pas la même écoute qu'un auditeur. On y reviendra peut-être. C'est un point difficile, comme un chef d'orchestre aussi. Oui, il est placé entre deux buffets d'orgue, oui, les trois quarts du temps, à une certaine hauteur. Devant lui, il y a cet édifice sonore. C'est deux pyramides, finalement. Oui. L'une derrière lui, l'une devant lui, qui s'additionne en plus, hein, puisque les claviers s'accouplent. Et donc, une écoute... il a un retour aussi, l'organiste. Mais ce n'est pas toujours le très très bon retour. Quand il est mauvais, il est définitivement mauvais. Alors on va entendre tout de suite donc ce Salve Regina de Marc-Antoine Charpentier. On entend des chanteurs, je crois, qui règlent bien finalement leur voix sur l'acoustique. Vous allez voir, c'est Jordi Savall qui dirige ça.